Et rebonjour, mes loulous! Et voilà la suite donc du tuto album suite au live, donc le numéro 2. Donc voilà. Et ben, j'ai eu l'idée, vous vous rappelez quand j'ai fait le milieu avec le papier que j'adore, d'ailleurs que je vais en commander. Ben, j'ai le petit bout que j'ai pu récupérer, ben, j'en ai coupé 4 petits bouts pour faire les angles. Vous allez voir. C'est super sympa comme ça. C'est tip top. Et ça donne. Ça fait un petit effet. Moi j'adore. Ça rappelle la reliure. Et puis comme j'avais pas de. Si j'en avais, mais des trucs épais pour avec les gros cartons. Là j'en avais pas. J'ai dit tiens, c'est pas mal l'effet là. Puis moi bon, je pouvais pas m'amuser à mettre du. Parce que j'en ai en filigrane, mais bon là, style rose comme ça fait bof. De toute façon, la déco n'est pas encore faite. Suite après il y aura la déco du premier, du deux et du deuxième. Et le troisième qui est en cours, j'ai la reliure à faire. Par contre, j'ai le comment on appelle là? Là, ce que vous voyez qui est faite, mais bon, qui est pas faite à l'intérieur encore, parce que bon. J'ai pas encore mis le bouton ou la tâche ou tout ça. Donc comme ça au moins, il y a de quoi faire. Donc là, bon bah là je fais les quatre coins. Donc toujours avec la même colle, hein, il y a pas de souci. C'est nickel. Franchement, c'est tip top. Là-dessus, ça roule comme sur des roulettes, comme je dirais. C'est bien pratique. Désolée, c'est le bruit de ma chaise. Enfin vraiment, je la change de chaise. Cette chaise. Voilà, on fait les quatre coins. J'ai mis en avance rapide hein, parce que sinon elle était longue parce qu'entre-temps j'avais mis pause et puis il y a eu un petit souci. Je crois que ça m'a mangé un. J'ai eu un morceau qui a été. Deux morceaux qui ont été mangés. Donc je suis désolée. Donc c'est en faisant la pause, je sais pas. Ça a bugué. Puis comme après il était tard, je voulais aller manger. Et je dis peut-être que ça va garder. Et puis ça a pas gardé. Pourtant j'avais fait enregistrer, mais. Il y a une partie, ça l'a pas gardé. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc avant là, donc là je fais les coins avant de mettre donc la page de fond. Et là tout ça je l'ai fait et malheureusement, donc avant de faire ça, il vaut mieux faire la fermeture, prévoir d'abord la fermeture, parce que là je l'ai prévu, mais après du coup, là à force je mette des caches pour ce que là on voit le ruban d'un côté, et de l'autre côté, on voit la petite ficelle blanche où il y a le bouton qui a accroché. Mais bon, ça encore c'est pas grave, parce que j'ai pensé à faire des petites pochettes des deux côtés, comme ça épaissit un peu et puis ça le rend un peu plus solide. Puis ça fera plus joli. Puis bon, il y a la déco à faire dessus, il y a plein de trucs à faire, donc je vais m'amuser à. C'est pas encore fini, mais bon, je sais pas si je vais tout filmer, parce que bon, après la déco, bon on fait comme on a envie. Mais je vous le montrerai par contre, bien sûr, il n'y a pas de souci, comme ça, avec les tampons dedans, et au moins un bon qui est fait, qui est posé à l'endroit, quoi. Je vous le montrerai, puis avant de vous montrer l'autre côté, comment faire la reliure avec le rhodoïde. Comme ça, vous pourrez voir. Ou quoi, ou sinon, vous pouvez, comme je disais sur la première vidéo, pour le milieu, là, je sais plus comment on appelle ça. Ça y est, j'ai un trou. Je suis fatiguée, on est en fin de journée. Voir sur la vidéo de la sphère, donc pour le centre. Comment on dit la. Non, pas la pliure là.
La relure, voilà. Si je le dis bien, hein, j'espère que je le dis bien, sinon veuillez me pardonner. Là, vous voyez, donc j'ai découpé, mais je crois que je vais m'y reprendre parce que j'ai pas assez découpé. Voilà. Je vais découper encore un petit chouïa sur le côté. À droite ou à gauche, hein, voilà, ça, il n'y a pas assez de. Du coup, je remesure. Vous savez, pour que ça fasse une petite. Qu'on voit un peu. Que ça recouvre pas la totalité, mais qu'on voit un petit peu quand même. Donc, je ne vais pas enlever grand-chose, hein, mais un petit peu. Là je le refais parce que entre le haut et le bas il y avait trop d'enlevés et sur la longueur il n'y en avait pas assez. Enfin, il y en avait trop. Et sur le haut et le bas il n'y en avait pas assez. Du coup ben, je le fais au massicot. Plus simple. J'arrive mieux. Avant je ne savais pas couper droit avec le massicot, maintenant j'y arrive. Ben ouais, on apprend, on apprend, on apprend. Hein. Là, je reprends bien mes mesures pour pas me tromper. En enlevant la marge que je veux enlever par rapport à ce que je veux, bien sûr. Et la rebelote, je remesure dans le sens de la longueur. Pour une fois dépliée dans l'album. Donc là, je pense que voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Ah, vous voyez, ça va quand même beaucoup mieux. Même là, c'est. Je vais peut-être retirer, peut-être là, justement, c'est peut-être là, je vais retirer un petit chouïa sur le côté. Voilà, j'ai pas assez retiré. Mais pas grand-chose, quoi. Un millimètre, quoi. Je vais retirer un millimètre. Mais là, ça va quand même mieux, ça recouvre mieux quand même, parce que ça faisait. Et après, j'ai pensé, mais non, Aude, parce que si tu retires, faut pas oublier qu'il y a les. Vous voyez, heureusement que qu'on voit les images et moi aussi d'ailleurs. Du coup, j'ai dit, mais non, parce que bon, il y a. Dans les pliures, il y a du papier qui va s'y mettre, et ben, ça va me faire gagner justement. C'est pour ça que je colle le milieu en premier, pour être sûr, là. Donc là, je centre bien. Pour être sûr que quand je vais plier avec le pliloir le papier, je vais le plier, et ben justement ça va prendre du papier. Donc le surplus que je voulais retirer sur les côtés, là ça va le faire automatiquement. Donc nickel. Voilà, je la mets directement dessus. Parce que bon. C'est quand même une grande surface. Et on étale bien. Voilà, vous voyez, je m'arrouffe bien, je frotte pour chasser l'air un maximum. Que oui, un peu de colle, je l'enlève avec les mimines. Et là, idem de l'autre côté. Pareil, hop, go. Désolée pour les bruits de fond, les jeunes qui sont sortis de l'école, si vous les entendez. Ah, ça fait sympa, hein. Comme c'était clair, j'ai dit tiens, bah, on va mettre un dedans, on va en mettre un avec de la couleur un peu plus peps et puis bah, des motifs comme l'extérieur n'avait pas. Mais bon, après, vous inquiétez pas, je vais tamponner ou je vais coloriser, je vais bien m'amuser.
Et là, je prends ma roulure et je vais incorporer, donc la coller. Et là, je prends du scotch, c'est du scotch de bricolage carrément, parce que c'est quand même beaucoup plus solide. Hein. Là, il n'y a pas de souci avec le scotch de bricolage. Et en plus, je mets une petite pointe de. Après, vous allez voir. En mettant ça, c'est pour ça que je suis en train de penser si je prends laquelle de colle je mets. Donc, je sais que laquelle je vais mettre. Et donc, je vais prendre le rouleau, le gros rouleau là, de bricolage que j'ai pris au bricolage. Hein, pas en losange, c'est pour la moquette ou pour des trucs comme ça. Et en fin de compte, juste au centre, je mettrai un petit liseré de la clé au colle. Pour que ça glisse mieux et que ça laisse le temps, parce que bon, que ça laisse le temps de pouvoir glisser et de bien placer ma reliure, parce que bon, le double face, puis en plus, surtout celui-là pour le bricolage, c'est instantané, c'est pris, c'est collé, quoi. Vous allez voir d'ailleurs, de toute façon. Quand je vais le poser à un moment, je vais arracher un petit peu mon papier là, je viens de poser, mais bon, pas de souci. Grâce à la colle, là justement que j'étais en train de refermer, j'ai réparé et ni vu ni connu. Donc je suis contente. Là je regarde bien où aller ma pliure, pas la mettre, parce que surtout pas le mettre dans la pliure. Essayer d'être un maximum droit. Donc ça que là je sais pas trop comment faire, j'ai pas trop le système D pour bien couper. Je voulais couper que ça soit bien au bon endroit, mais c'est pas facile. Hein. Et c'est là où je fais des bêtises d'ailleurs. Et ouais. Parce que du coup là j'ai tiré, paf, et j'ai enlevé ce que ça a accroché. Du coup là, un petit coup de clé au colle. Et hop, du dit connu. Et hop, ça tient, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là je réajuste avec le ciseau. Mais là je pouvais pas faire au cutter et faire à ras parce que là on voyait plus après la bordure noire donc de mon le matière le support que j'ai mis pour maintenir les trois cartons. C'est ça le hic. C'est ça qui m'embêtait. Et là comme il n'est pas assez grand, donc je suis obligée de le mettre en deux fois. D'enlever la première pellicule parce que si je le colle sur la pellicule après je peux plus l'enlever. Et là de bien faire de l'autre côté. Faire la même chose. Donc c'est pour ça que je ferme en même temps le côté pour pas aller pour aller au maximum droit et correctement quoi. C'est pas facile à mettre du double face. Puis surtout du collant de chez Collant. Hein. Je peux vous dire que c'est pas facile du tout. Ça, là, il n'y a plus qu'à enlever. Oui, il y en a un qui me colle aux papattes. Donc là, à frotter pour que ça adhère bien. Sinon, pour l'enlever, c'est très galère si on n'adhère pas bien le double face. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, je mets une petite pointe, un petit liseré. Et je vais prendre le pinceau. Avec le liseré, je vais faire des petites vagues. Voilà. Ça permet de glisser, de pouvoir mieux. Donc, et là, voilà, ce que là, c'est avec du scotch, donc bien tout coller. Je regarde le devant, je vérifie où est le devant pour pas le mettre à l'envers comme l'autre. Voilà, donc là, faut bien vérifier, hein, attention. Et là, je le colle. Bon, dans la prochaine vidéo, de toute façon, je vous montrerai comment faire la reliure si vous voulez. Dites-le moi en commentaire. Hein. Sinon, vous allez sur chez Nathalie, la sphère. Hein. Que, bon, je vais pas le nier. Hein. Je dis où je prends mes idées, hein. C'est pas du copier parce que c'est pas la même, tout à fait la même chose, mais bon.
Recoucou. Voilà, là vous avez vu, j'ai eu un petit noir là et je l'ai aussi à la fin. Donc là on voit que en fin de compte, je prends juste les mesures du milieu pour pouvoir mettre mon bouton. Et j'ai fait des perfos, j'ai fait voilà, j'ai découpé du papier, j'ai fait une bande que j'ai pas encore mis hein, à part les deux petits ronds qu'on voit sur le côté gauche, juste à côté de ma main gauche. Et là, je suis en train de faire deux trous pour mettre justement le bouton. Voilà, j'ai fait mes. En fait, je me suis embêtée parce que l'autre, j'ai tout collé, j'ai fait les trous après. Tandis que là, je m'enquiquine à faire les. Voilà, sans rien, je trouvais non, ça allait pas. Donc non, 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 c'est plus joli avec. Puis ça rappelle le papier de l'intérieur. C'est pour ça que ouais, vous voyez, ça fait plus joli. Puis ça fait ressortir en fin de compte le bouton qui est noir et dans les tons gris noir comme le papier là qui fait la reliure au centre, qui est noir, qui est gris noir aussi, pareil. Donc c'est une bonne idée. Je m'en souviens plus où j'ai eu ces boutons. Ils sont extra parce qu'ils sont pas plats. Du coup, pour faire le tour, c'est l'idéal. Et là, j'ai pas fait avec une ficelle. J'ai fait avec autre chose, vous verrez. J'espère que vous allez le voir parce que comme là, ma vidéo, elle a été un peu coupée, on va dire. Donc, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que je fais là? Je m'en souviens pas. J'en mets du temps. Puis là, je voulais pas mis en avance rapide. J'aurais peut-être dû. Voilà, je cherchais mon roller là, mon collant, mon double face roller. Là, je suis en train de ranger parce que j'ai dépassé. Donc, et comme c'est pas rond ou c'est pas carré ou quoi, bah, je suis en train de rentrer la colle qui dépasse à l'intérieur. Et oui, évidemment. Et là, je suis hors champ. Ah non, oui, la deuxième partie, ça n'a pas été top top. Hein. Je sais pas. En plus, je pense que là, je sais pas si la caméra a bougé ou moi j'ai bougé. Je commençais. Je devais aussi commencer à fatiguer, je pense. Puis mon mari, là, c'est quand il est rentré entre-temps, donc ça m'a perturbée. Donc, pas facile. Et puis je sais que ça va être bientôt l'heure du repas, donc. Là, j'hésite à le mettre ou à pas le mettre. Je dis bon, puis bah, je le mets quand même, ça renforce un peu au niveau de la. Du bouton, au niveau de la tâche. Je fais au moins comme ça. Bon bah du coup vous l'aurez pas là, vous l'avez en mode pas rapide hein, parce que maintenant c'est trop tard comme j'ai posé ma voix dessus. Ma jolie voix. Faut bien que je raconte un peu des bêtises hein. Et du coup vous voyez je suis obligée de reprendre mon poinçon pour faire le trou dedans. Eh oui, eh oui, eh oui. Oh, je sais pas jusqu'à où on voit. Oh, ça me. Oh. Ça me mine. Hein. Dans la troisième vidéo, c'est là où je ferai, je vais donc costumiser donc les trois albums d'ailleurs. Le troisième, il y aura donc le milieu à faire, vous savez, avec les papiers rhodoïdes, donc faire le j'ai oublié le mot. Voilà. Désolée. Oh, comment ça s'appelle déjà? La reliure. Voilà, on appelle ça une reliure. Hein. Mais bon, en général, c'est que c'est quand c'est pour un bouquin. Mais bon, là, je sais pas comment on dit pour ça. Là, je sais pas du tout. Et là, on arrive à la fin.